gran honor y le agradezco mucho a la organización que me permite presentar a Pietro Laureano, que justo nos conocimos el 18 de enero de este año en la ciudad que es protagonista en este momento de la próxima aportación, que es la ciudad de Matera. Pietro Laureano, arquitecto y urbanista, es consultor de la UNESCO en distintos temas para zonas áridas, arquitectura excavada, como vinculado a esta ciudad de Matera, civilización islámica y sistemas en peligro. Es director ejecutivo de IPOGE, Goyea, y está la magnífica exposición Ace Scavandi, la exposición estrella de la capitalidad europea de la cultura, que como saben ostenta Matera en estos momentos junto con otras ciudades de Bulgaria, de Puerto Rico, ¿no? Y el director ejecutivo, por tanto, de IPOGEA, Centro de Investigación y Conocimiento Local y Tradicional, presidente del Instituto Internacional de Conocimientos Tradicionales, y ya, aparte de intervenciones en otros lugares de patrimonio mundial, en Jordania, Etiopía, etc., pues su principal vinculación al tema que le trae esta tarde aquí, a la Casa de Colón, expresamente en la ciudad de Matera, de la que ha sido promotor de la rehabilitación y también autor del informe para su inscripción en la lista de patrimonio mundial. La satisfacción a presentarlo pues se une a otra, que es que, como todos saben, o muchos saben, Matera y mi ciudad Galta son ciudades hermanas, precisamente por doble circunstancia. Es decir, este hermanamiento no es de ayer por la tarde, digamos, los acuerdos plenarios son del año 2016. Justo Galta asistió, invitada de honor, podemos decirlo, a la Capitalidad Europea de la Cultura el 18, 19 y 20 de enero. Y la firma del protocolo de hermanamiento tuvo lugar el 21 de enero de este año por ambos alcaldes, el síndaco Rafael de Ruggieri y nuestro alcalde Teodoro Clarés Sosa Monzón, firmaron el convenio oficial, y ya los actos institucionales, a los que están todos invitados, pues serán en Matera a principios de julio, el 2 de julio, y en Galta el 24 y 25 de julio. ¿Por qué se manaron las dos ciudades? Pues muy sencillo. Ciudad Superpuesta y Casa Cueva. Ciudad Superpuesta, como todos conocemos, precisamente se pone en evidencia que en la Museo del Parque Arqueológico Cueva Pintada, claro, que esa singularidad de Galta no la tiene ninguna otra ciudad en el archipiélago, y Casa Cueva precisamente por Barranco Hondo de Tabasco en especial. Digamos que son los dos conjuntos históricos que tiene Galta declarados oficialmente, el de la Ciudad Superpuesta y el de Casa Cueva Barranco Hondo. Y esto ya enlazamos con Risco Caído, porque precisamente todo lo que, el perímetro que conforma los espacios grados de montaña de Gran Canaria, el primer perímetro protegido, el primer perímetro declarado, fue Barranco Hondo de Tabasco en Galta. Digamos que de los cuatro municipios que integran esta candidatura, pues Galta fue la que hace más de 30 años, estamos hablando de 30 años, promovió la incoación de esa parte, que es Barranco Hondo, la Casa Cueva. Y precisamente el año pasado celebramos los 25 años de la declaración. Galta entendió que Matera era un buen ejemplo para nuestra ciudad, tanto para el centro histórico de Ciudad Superpuesta como Casa Cueva, y por eso hizo todo lo posible, y en este caso pues tuve el honor de coordinar todo este tema con la profesora arquitecta Antonella Huida de la Universidad de la Basilicata, y que ha tenido frutos muy, muy importantes en cuanto a la presencia de universitarios tanto de un lado como del otro. Y precisamente en lo que se habla aquí de Matera, que ha pasado de ser la vergüenza nacional italiana a capital europea de la cultura, pues precisamente creo que ese es el mensaje que también queremos en Galta con nuestra querida ciudad de Matera, de, si no ser capital europea de la cultura, por lo menos aprender de toda la experiencia que han tenido en esa ciudad italiana, y que después nos va a explicar Pietro Laureano, presidente del ICOMO de Italia. Muchas gracias. Disculpe, voy a ver en francés, pero me dijeron que la interpretación simultánea funciona, así que me van a ir en español.
Primero, yo podría agradecer por esta invitación. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer, un honor, por lo menos, En los años 50 y 60 realmente esta ciudad estaba abocada a ser letra italiana y la desidia que se italiano vive la una vergüenza y va a la cueva y 20.000 habitantes han tenido que abandonar su hogar y hacer parte de la ciudad para empezar a cobrar nuevos barrios de la ciudad. Realmente ha sido un exodo fruto de la voluntad, de la modernidad y del Estado. Lo que querían era organizar todo y no tener la madera de la ciudad metropolita. Realmente lo que uno puede proponer es utilizar quizás la ciudad y desarrollar esa ciudad, pero realmente lo que quisieron fue eliminar ese modelo que consideran como una vergüenza, el modelo de la casa al troglodita. Esa c'était la materia de la temporalité, avec sus habitantes en las cuevas. La façon d'habiter c'était beaucoup la forma de vivir era muy importante porque todo se organiza alrededor de lo que voisinaje, es decir, el barrio, las personas, el mismo barrio, es decir, que es un sistema de familia en el más amplio sentido de la palabra, y entonces las personas pueden apoyarse. Entonces, la familia, los vecinos, la familia, y cuando esta población en otro tipo de vivienda, en casas más modernas, pues ya han perdido esas raíces, ese apoyo social, lo que tenían con la antigua ciudad, ya no tenían. Así que estamos preguntando realmente que esa ciudad troglodita pues podía implicar un nuevo modelo, otro modelo, un modelo que podría ayudarnos a reconstruir una ciudad del futuro, una ciudad más sostenible. Ma quand Matera elle était abandonnée, pero cuando abandonaron Matera, les maisons ils commençaient à se casar, parce que c'est pas habité, les maisons sont pas habitées, et donc c'est y empezaron a fresco de periodo medieval, pintura de la época medieval, una pintura muy importante, y empezaron a robar esas obras de arte y volver a intentar arrancar esta parte de la pintura. Así que lo que hicimos es recibir dinero para reformar esta ciudad. ¿Por qué restauré y cómo restauré? ¿Por qué vamos a reformar y cómo vamos a hacerlo? Es una pregunta que se empezó a plantear. Empezando a utilizar ese tipo de dinero. Esa es una bomba de hormigón. Es un camión que bombea el hormigón dentro de la roca para intentar sanear las casas. Pero ha sido un desastre total, porque realmente la bomba
mete le ciment, inyecta el cemento, le cavité, le rempli, rellena las cavidades y luego toma de derramarse porque realmente el hormigón pesa como muchísimo. Como puede hacer eso, porque y puede hacer eso, realmente se tiene dinero y quieren gastarlo, no sé cómo se produce, empezaron a mirar la roche, la plus extraordinaria, la plus consolidée au monde, toutes les taches d'ange que vous voyez, c'est les trucs que sont faits pour inyectar el betón. Realmente son agujeros que se han perforado para inyectar hormigón dentro de la misma roca. Et ça, c'est du tuf, on l'appelle tuf. Y eso es tuf, mais c'est pas geologiquement, c'est pour une calcaire. Pero geológicamente es una tierra volcánica, es calcaire. Et s'il y a le betón à l'intérieur, après donc il va collapser, parce que les calcaires, les hormigón, les betón, il est mieux. Hacerlo más sólido, sino más frágil. Et ça, son des autres processus de restauración, de eso de seguir de reconstruir, se te completó la misma. Y después, cuando empezamos a trabajar realmente con las herramientas tradicionales, descubrimos que los ladrillos de cal, antes de ponerlo en su sitio, realmente lo dejaban en un lugar húmedo, en un húmedo, al aire libre, para volverse más resistente. Avec la migración de sel del interior al exterior, y se crea un patel, y devenía gris, pero devenía aussi plus vieux. Vous comprenez que c'est pas facile de restaurer, c'est un peu compliqué, la façon que la viande dans le table, vous l'avez réalisé. Vous voyez ici la bifara, c'est une restauration très dure, qu'elles sont changées l'aspect de la viande. Ici aussi, il y a des évolutions que vous mettez compte et vous m'en retournez. À Matera, les auteurs anciens, ils disaient, Matera, c'est les dieux ou les bons, ils sont au-dessus du vivant. Parce que généralement, dans les vies normales, les vivants, ils sont en plein air, et les bons, ils sont sous terre, dans l'hypogée. Ici, à Matera, les bons, ils sont sous terre. Donc, ils sont sur les terrasses, sur les jardins. Donc, c'est toujours sensible que c'est le renversement des catégories consuelles. Et ça, c'est l'élément intérêt du Matera. Et donc j'ai commencé dans les 93, moi j'ai travaillé par l'UNESCO déjà dans tous les pays du monde, j'ai travaillé à Petra et je me suis dit, il faut que je regarde ma terre comme on regarde Petra, comme on vit les autres, comme on vit Petra, pour essayer de comprendre les significats cachés. Et donc vous voyez, ça c'est Matera, et ça c'est Matera à Petra, et j'ai ressenti Matera aussi à des autres expériences. Ici on est dans les Sahara, dans les Sahara algériens, on est à Djanek, et ça c'est pour nous un monument fait par la ancienne population préhistorique berbère, mais nous avons la même chose à Matera. Donc il faut comprendre que les civilisations méditerranéennes qui ont partagé la culture, la pensée de l'Europe, mais la culture et la pensée de l'Afrique. Et donc il y a des correspondances qui ont retrouvé si on remonte à deux façons de faire l'antenne. Ça c'est encore Matera, et ça c'était la Licia, in Turchia, in Anatolia. Ça c'est encore Matera, et ça c'est Petra. Vous voyez aussi, les styles, la typologie c'est différent, mais la logique, troglodytique, c'est la même. Et à Petra, moi j'avais travaillé en un endroit comme ça, Petra, il est aussi le résultat de la pensée occidentale, de la projection de la pensée occidentale, dans une ville qui s'était habitée par les gens, par les nomades aussi, et qui s'était transformée en une rêve archéologique. Ça, à Petra, c'était la maison. Il y avait des atelons, il y avait des systèmes d'eau, il y avait des jardins. Ça, c'est que ça fait. C'est pas la tombe. Une tombe, c'est pas une tombe. Non, c'est une tombe. Tu dis pas la parce qu'il y a aussi sur le palais, c'est pas une tombe. Mais en effet, vous savez, il y avait un plan d'eau. Et ça, c'est ma reconstruction de cet endroit. C'était un système d'eau, un système de jardin, un système d'habitation, un système de plaisir, un système de zone. Et donc, j'avais proposé à Petra de reconstruire tout ça. Mais à l'époque, il y a 30 années, les archéologues, ils étaient complètement centrés. Maintenant, les gens ne comprennent pas ça. Et si on ne fait pas ça à Petra, Petra sera perdu. Parce qu'on ne peut pas se battre à la maison. Si on ne peut pas arrêter. Vous connaissez le système d'eau.
se vuole fare così nel giardino, perché nel giardino il gatto del paesaggio ha un locale e le sabbie che il sole grande rodea completamente le facciate in pietra. Destruye las fachadas de pedra. E donc quand j'ai commencé a travailler la terre, je me suis dit qu'il ne faut pas faire la matière de la mère. Il faut que la matière soit le signe du renversement de la conception. Il faut que la matière soit le phare. On a commencé à reconstruire toute la vie préhistorique de matière, les origines de matière, qui remontent aux 6000 millénaires avant Jésus-Christ. Donc c'était une civilisation éolique. Ça, c'est une forme figurative. Figurative. Ici aussi c'est la femme, surtout, mais c'est presque aniconique, un peu comme les statues du maître, c'est extraordinaire, des expressions très sinueuses, très légères, très simples, mais c'est bien du passé. Et ça c'est l'origine de cette diffusion culturelle néolithique, à partir de la demi-lune fertile, la gobelet qui tempre, l'anatomie, Gerto, et en Europe, et même dans les Sahara, les points de diffusion dans en Algérie, vers, évidemment, aussi, les Canaries, avec la culture amazigh. Et ça, c'est le village néolithique de Matera, vous voyez la porte d'entrée, et vous voyez aussi la position astronomique. Le rapport avec les astres, le rapport avec le cosmos, les villages sont complètement alignés avec les entrées d'assomptifs, le rapport entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. Et aussi les graphites qu'il y a sur les seuils, ils reflètent cette conception astrale et cette nécessité de créer un habitat et un rapport avec le cosmos et les astres. Mais ce n'est pas seulement ça, la chose aussi importante, otro punto muy importante es el uso de trinchés y de fosfato por l'eau. Porque l'eau, c'était la prioridad. Il n'y a pas de la matière. Les précipitations sont trop peu. Il n'y a pas de source. Porque le sol est calcaire. Donc, c'est l'eau de pluie. C'est l'eau du ciel qui vient à être utilisée. Et donc, les villages. Les fosfats, ce n'était pas pour la guerre, ce n'était pas des traités militaires, c'était surtout pour capter l'eau, pour la distribuer, pour la utiliser, et après, pour utiliser les eaux, c'est pour l'irrigation des camps. Donc, c'était une solution extraordinaire de soutenabilité que je retrouve en Éthiopie. Et voyez ici un village en Éthiopie qui, encore aujourd'hui, il fonctionne de la même façon, avec des grands fossés, mais pas très préparés, mais pour réduire l'eau, que c'est la ressource la plus importante pour la vie et pour la vie stable. Et si on voit aussi à Petra, sur les hautes montagnes de Petra, des systèmes de captation de l'eau, et encore le même symbole de double cercle qu'on retrouve en Matera, et on retrouve le même symbole dans les Sahara, ici on est dans les Tassines du Sahara, et c'est le peuple de Dieu tout autour dans le cercle, c'est le début de la création de l'oasis, des lieux de la civilisation, de la cité, et avec évidemment aussi les animaux, le bœuf, que c'est un animal sacré, et si c'est un très connu, peinture du Tassili des Agers, où on voit les bœufs qui entrent, ils passent le seuil et entrent dans la famille de l'humanité, et ils viennent mettre de cette famille. Et c'est le monde de la transhumance, et on retrouve aussi à l'Israël. Ça nous explique pourquoi le village il était construit comme ça. La zone, il devait être toujours compter le bétail. Il y avait toujours des fermes de passer les soies pour les pouvoir élever, pour les pouvoir manager. Et donc, une culture encore vivante, mais on peut comprendre à partir des peintures historiques. Et ça, c'est Matera. Encore dans les années 50 et 60, un monde de transhumance, une ville très ancienne, qui rapporte à toutes les civilisations méditerranéennes. Et ce mouvement aussi, c'était pas seulement un tourbus, c'était aussi pour l'eau. Parce que dans le Sahara, l'eau n'a plus pu boire grâce à cette tourbus. Parce que c'est créé aussi une chambre de condensation au-dessus du tourbus. Juste pour la partie supérieure du tourbus. Dans la journée de vent, il se filtre dans les rochers, et vous avez une chambre froide de condensation. Dans la nuit, c'est normal. Vous le pouvez retrouver dans toutes les situations où il y a des amas de pierre pendant la nuit, la roulade,
que hay un tronco de genera y que al no es tenemos supuestos a ello que existe un misterio de recoger la humedad, recoger la lluvia y guardar el agua en la reserva. E voi trovi sì o sì per la creazione di Olivier, proteggere par de mur di Pierre, questo arbore che sta proteggendo le blocche di carriera che la trovi in tutte par dalla mia, le rette, se si cresce per l'acqua, se si muove esattamente molto, il trovo se fa di pianura, perché le nostre sono identiche quando e soprattutto che sono fortificazioni, che sono torri, se ti passa la guerra, struttura difensiva, perché sono nuove, per vivere in pezzi, sicuramente per vivere in pasta, dovrebbe avere l'acqua, sarà essere nel mare. Guagli si appena se presi interessante, se che si appena si appena di Pierre, la prima chambre, se pura quirlo che si condanzi sul coplato, la sable in sarretti sì, e a prendo il vale dei giardini, rosè la luce, perché se non il re, il via dell'ombra, il via dell'umidità, il via della vita, se la creazione della giusta, materia se l'elemento, le bassin di Pierre, je vais plus rapide, aussi c'est aussi matière. On doit couper la pente pour créer une possibilité de ramasser de l'eau. Et les grottes, elles servent justement à ramasser l'eau. Et ça, c'est Petra, c'est la même chose. Maintenant, en Tunisie, la même culture, la même civilisation et la possibilité de transformer un plateau riche en une zone de fertilité et de vie. Matera sarà sempre un granier fortifié della Libia, dell'Ovest o della Tunisia. C'è il mio mondo, c'è il mondo pastorale che da creare un sistema di terrasse e di canalizzazione d'eau. E se su questo sistema, su questo sistema di radicoli che si crea la vita. Donc, che sono qua? C'è il risultato di un presupposto enorme che le partite da un sistema di amministrazione violento. Je vais rapidement, ça donc c'est la reconstruction di Matera come il doveva essere. Donc, on a commencé a travailler a Matera avec le connaissance traditionnelle. Ça, c'est le sistema di retrovere le connaissance traditionnelles sur le site pour restaurer la ville e non va a restaurer, a recuperare le anciennes techniques. Par Saint-Sicillon, on a restauré le sistema, che c'est un sistema di produzione de l'eau. Un depósito il n'y a pas de source, c'est l'eau qu'il y a dans les terres qui viennent recréer ici avec des ouvriers qui sont travaillés gratuitement pour restaurer ce système, on l'a élaboré, et on va apporter l'eau qu'il n'y a pas de recuperar la agua que ya no existía. Y las orejas volvieron también, pero el agua vuelve. Y esa es la maison de Matera. Y esa es mi casa. Entonces, esa es la situación de Matera. Esa es la situación de Matera. Completamente abandonada, completamente destruida. Yo he decidido ir a la vida de Matera, mi familia. Ma era la fioretta, c'è lì che gli andava a vedere, ma avrei tutto il processo, si le trovi, ma vuoi essere la situazione, ma siete completamente contente, avete detto tu, se io decide pas di andare a abitare, perché non vuol pas lasciare un ville nel corpo di un umano, e dopo la travagliare con le tecniche tradizionali, le tecniche tradizionali, d'exercer des puits, ça c'est la fente volcanique pour créer des puits très importants, on l'appelle pot solana en italien, ça c'est aussi pour imperméabiliser, il faut faire transpirer les grottes, on a reconstruit aussi la partie reconstruite, et ça c'est la maison réhabilité, on a utilisé la chaux, simplement, les gens, ils sont restés comme ils étaient, toujours deux systèmes d'eau à l'intérieur, l'eau de la municipalité et l'eau des citernes, l'eau des puits, l'eau des sanitaires, pour épargner l'eau, que c'est trop important. Ici, c'est où la lumière du soleil est prise dans la grotte et frappée cette pierre, c'est le lieu sacré de la maison. Et ça, c'est la transformation de la maison. Ici, je fais un amour, une citerne, une réminiscence de la vie. Et c'était aussi pour démontrer qu'on pourrait très bien habiter dans des ambiances propres de vie. Vous voyez ici, c'était une des 16 citernes qu'il y a dans la maison. Ça, c'est la grotte la plus importante, la que c'est devenu mon séjour.
Et ça, c'est la vie qui s'est annoncée à Venise. Toutes les journaux ils sont parlés de ça, les financiers, les dominicains en Espagne, en Chine, Matera comme expérience pour restaurer les villages de la Chine. Et le morceau terrain, c'est la chose la plus importante en Matera. Vous voyez les capitaines. Et aussi les systèmes astrales que vous retrouvez ici à Aristocadia. Vous voyez ici les soleils frappent la partie terminale de la grotte. Un rayon de soleil qui frappe la grotte, il n'y a pas de canal pour alimenter la citerne, mais c'est l'évaporation de la condensation qui crée donc le semicycle du soleil. C'est le soleil qui entre dans la terre et crée la vie. Donc c'est le principe astral que l'on retrouve en Matera. La Matera, c'est mitraire, c'est l'air. Moderne, Matrix, c'est la Matrix féminine, c'est la Matrix de la vie. Et ça, c'est des graphites de l'ère de Matera, vous voyez ici, c'est des graphites préhistoriques. Et les gens ne comprenaient pas cette signe aussi, très étrange, mais c'est la même raconte qu'on retrouve. C'est un personnage, c'est un couple, c'est un mouvement. Et c'est la communauté. C'est un système de communauté, de rapports familiaires, de visionnage qui s'entraide. C'est le système de la sostenibilité que on cherche à créer encore aujourd'hui dans la ville moderne et dans la ville du futur. Donc Matera, c'est un exemple. Matera est devenue capitale de la culture européenne maintenant. On est allé à reconstruire les jardins sostenibles de Matera. On va refaire dans les grottes aussi les systèmes de cultivation très avancés. Si on rapporte avec le monde végétal et le monde aérien, et Matera va refleurir, il va devenir une ville qui a des passés plus anciens. Vous voyez ici, c'est Matera, 4019 avant Christ, après c'est Matera maintenant, 2019, et peut-être Matera dans le 2049 sera comme les grandes avec les voitures volantes, mais c'est une ville de toute façon sans plan, une ville qui va vers le futur, mais qui n'oublie pas son passé historique. Il passe dans les cavernes, le monde des troglodytes, qui est toujours là, et va nous rappeler que peut-être qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est pas vraiment très correct, qu'il faut se laisser voir au passé. Pour créer des modèles qui puissent sauver notre planète.